Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de Café Mort, donc les lundis et vendredis à 20h. Alors ce soir, nous allons accueillir une personne, alors, je ne sais pas si je dois vous la présenter, parce que je pense que tout le monde la connaît, surtout si vous êtes engagé sur la masérité, donc là, vous devriez ne pas la rater, donc vous devez l'avoir vue forcément à un événement ou l'avoir entendue. Donc ce soir, on va accueillir une animatrice radio de Beurre FM, et qui est aussi une militante à Mazir, on va accueillir Sabrina Abchiche. Bonsoir. Bonsoir, Azoul Felaï. Azoul, donc Sabrina, je suis très heureux de te recevoir parce que je te connais depuis longtemps, hein, ne pas se gâcher. Tu es très engagée. Donc, alors, dis-nous qui est Sabrina Abchiche, c'est quoi ton histoire? Tu es née où? T'as grandi où? Enfin, voilà. Alors, moi, je suis née ici, en région parisienne, en banlieue. J'ai grandi dans une famille traditionnelle kabyle, hein, avec des parents immigrés qui venaient de Kabylie, papa taxi, comme beaucoup de Kabyles. Et j'ai grandi beaucoup avec ce lien avec la Kabylie, parce qu'à la maison, maman ne parlait qu'en Kabyle. Et puis, un peu comme tout le monde, juillet-août se passait en Kabylie. Et donc, très tôt, j'ai eu une conscience quand même berbère, mais pas militante. D'abord, très attachée à ma culture, mais pas encore dans le militantisme. Et j'ai fait mes études ici. Donc, j'ai un master en marketing et en communication. Alors, avant d'aller sur le master marketing, juste un truc. Est-ce que tu as eu, comme toutes les petites filles kabyles de France et de Navarre, là-bas, la robe des toutes petites pour aller danser? Bien sûr, c'est la robe, le foulard, les bijoux, parce que de toute façon, tous les enfants ont une forme de mimétisme vis-à-vis des parents. Donc moi, il fallait que j'imite maman. Et maman, c'était Amindé, le Tarkondorz al-Kavayel, les bijoux. Donc oui, bien sûr. Quand j'arrivais là-bas, moi, je me mettais en mode local. Et Sherifa, Slimane Azem, Massam Chafa, enfin tous les artistes en permanence, c'était en boucle. Oui, bien sûr, surtout Slimane Azem, parce que moi je suis originaire de son village, Agouné Garlan, et je suis aussi la nièce d'Abchiche Blade, qui était le compagnon de Slimane Azem, d'Agui de França. Et donc papa écoutait très régulièrement Slimane Azem, il connaissait par cœur toutes ses chansons. Alors dans la voiture, on avait que ça, et dans la cuisine, avec maman, on avait Zohra. Elle écoutait beaucoup Zohra. Oui, je crois qu'en plus, même, je ne sais pas s'il n'y a pas des liens de parenté avec une partie de ta famille, puisque comme je connais le fils du frère aîné de Slimane, ouais. Parce qu'il y a Kalsri qui était dans l'Est, tous les autres étaient vers Montauban, et Jamel qui m'a dit qu'il y avait des liens avec Saïd ou des choses comme ça. Oui, parce que les neveux de Slimane Azem ont été élevés par une Abchiche, qui est la tante de papa. Ouais. Et puis Azem, Abchiche, Yom Poudouroum, quoi, c'est un peu le même lien familial, il y a des mariages. Donc c'était un peu prédestiné de devenir de Wellington, de ne pas être militante. C'est un peu difficile, c'est un village très militant déjà. Ah, je ne sais pas si c'est le destin qui en a voulu ainsi, mais je crois que c'est aussi un facteur situationnel. C'est-à-dire que moi j'ai vu des choses, la première fois que j'ai pris le RER par exemple, c'est lors de l'assassinat de Matou Blounès. J'ai vu ça à la télé, j'ai vu qu'il y avait des mouvements qui se faisaient à Paris. Et ben, j'ai pris mon sac à dos, j'ai pris le bus, j'ai été à la gare, j'ai pris le RER et je me suis retrouvée à Paris, place de la République, avec plein de Kabyles autour de moi. Et j'ai compris à ce moment-là, j'étais très jeune, qu'il y avait quelque chose. J'entendais les mouvements, j'entendais pourquoi on l'avait assassiné, je ne comprenais pas tout, je cherchais à savoir. Et je crois que là, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Et aussi, j'ai grandi dans une ville avec beaucoup de Kabyles, mais qui ne revendiquaient pas forcément leur kabylité. C'était l'islam avant tout, peut-être même un peu d'arabité aussi qui rentrait, et pas de kabylité. Et avec mes frères et sœurs, on était un petit peu seuls là-dessus. Alors on nous disait, ah, bah, vous êtes des extrémistes. Mais je ne comprends pas, revendiquer sa kabylité, ce n'est pas être extrémiste, c'est juste dire qui l'on est et assumer pleinement qui l'on est. Et donc là aussi, ça m'a réveillée quelque part. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, on a honte d'être qui nous sommes, il faut être arabe et musulman pour être pleinement algérien. Bah, comme disait Matou Blounès, je suis berbère, je ne suis pas arabe et je ne suis pas obligée d'être musulman. Alors, mais donc vous avez grandi effectivement sur un territoire, parce que si on peut le dire, Champigny, Saint-Maur, Créteil, une partie de Bonneuil, Orly, tout ce territoire-là, il y a beaucoup de berbères, il y a une condensation, Un fief. Hein. Un fief. Hein. Un fief. Mais je crois que partout où on va, de toute façon, on retrouve des Kabyles. Ouais. Là aujourd'hui, vous allez à Saint-Denis, vous avez l'impression. Saint-Denis, c'est là. Voilà, Saint-Denis, avec en plus l'université Paris Vite. Non mais Saint-Denis, c'est Tizi Ouzou, Non mais là, très clairement, même l'université, on a l'impression que c'est l'université Mouloud Mamri, quoi. Voilà, c'est comme quand tu dis, si tu dis Roubaix, c'est Bouira, quoi. Tu vas à Roubaix, t'as Bouira, t'as tout Bouira là-bas. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on retrouve des concentrations de villages.
Oui, tout à Parce fait. que du coup, bah, y a le premier avec le frère qui est venu, il a appelé le cousin, qui a appelé un autre Oui, cousin, parce et qu'il n'y a du pas que coup, ça. on retrouve bah, des villages entiers, en fait, dans certaines Mais villes on de continue, France. puisqu'il n'y a pas trouvé le truc. Par exemple, on prend Marseille. Marseille, ils sont beaucoup originaires de Béjaïa, beaucoup aussi de Bouzgan, enfin, c'est marrant, et beaucoup de Chaouis. On a des concentrations comme ça. On pourrait refaire d'ailleurs la carte de l'immigration. Hein. Ouais. Mais ça montre que l'histoire est longue, elle est Bah, plus ancienne. de 100 ans, hein, quand même, C'est ça. d'immigration, plus de 100 ans quand même. Hein. C'est Et ça. bien, et donc après, vous avez un parcours, c'est quoi votre parcours scolaire, Sabrina, alors, du coup? Alors, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, moi, j'ai un master en marketing et en communication et je suis capétienne en économie-gestion. Donc, je suis enseignante de formation. J'enseigne à Voilà. Bobigny, là où il y a beaucoup de Kabyles. Voilà. Donc tu enseignes à Bobigny, oui, là aussi, oui, comme à Aubervilliers d'ailleurs aussi, Et c'est un mais secteur c'est. que j'apprécie tout Voilà. particulièrement. J'enseigne sur ce territoire parce que je veux évoluer dans ce territoire. Tu préfères être là-bas qu'à Créteil quand tu enseignes à Créteil? Oui, parce que je me sens plus utile. Et je suis jeune, j'ai la pêche. Voilà. Et donc là, tu vois, c'est quand même, tu as fait des études, c'est important. Donc ça t'a. Et ça te donne. Alors, le goût de faire de la radio, parce que tu fais une émission de radio aussi. Il faut que tu nous en parles aussi. Et cette émission de radio, elle est consacrée à quoi alors? Voilà, parce qu'on va me Alors, dire. cette émission, elle fait la promotion de la culture berbère et notamment des artistes, parce que c'est une émission de divertissement. Et on reçoit des artistes qui viennent, qui nous parlent d'eux, de leur parcours, de leur histoire. J'aime bien recevoir les femmes en particulier, parce que pendant très longtemps, elles ont été montrées du doigt en tant qu'artistes, parce que chez nous, être artiste, c'est une malédiction. C'est pas une bénédiction. Alors c'est le paradoxe parce que chez nous, dès qu'il y a de la musique, les artistes, ils adorent les artistes, et ben, ça, ils courent tous pour aller voir. Et en même temps, si quelqu'un de la famille fait ça, c'est pas très bien vu, donc c'est Mais assez c'est paradoxal, toujours non? pareil, c'est bien quand c'est chez les autres, mais dès que ça arrive chez nous, ben, il faut pas que ce soit nos sœurs ou nos filles. Mais si c'est les sœurs et les filles des autres, c'est très bien. Alors vous avez un engagement sur la masiérité, mais votre engagement, il n'est pas, vous n'êtes pas dans une radicalité, vous êtes dans plutôt une construction, vous êtes plutôt dans quelque chose où disant, il faut par exemple sur le plus régionaliste, mais comme ça se passe en France ou en Allemagne, vous êtes plus sur cette vision-là, vous. Oui. Bah, moi, je pense que déjà, et c'est un fait historique, on ne va pas le penser, c'est que toute l'Algérie est berbère, toute l'Afrique du Nord est berbère. Même On va en au-delà de l'Afrique Tunisie, du bien Nord. sûr, aux Canaries, on va aller à l'île de Siwa, en Égypte. Mais toute cette Afrique du Nord est berbère et on a un point commun. On va chez les berbères de Tunisie, on va chez les berbères Nord-Mali, on va en Mauritanie, on va au Maroc, on va en Algérie, chez les Chaouis, chez les Targhis. Et finalement, il y a un mot qui nous réunit tous, c'est Azoul. Oui, c'est vrai. Alors peut-être qu'après, en termes de dialecte, on n'arrive pas forcément à se comprendre, même s'il y a quand même une racine, mais ce mot, Azoul, pour moi, il me fascine. Oui. Il me fascine ce mot parce que Azoul, ça se décompose en deux mots, donc il y a Az, Azed, viens, Viens, ouais. et Et Oul, où le le cœur. cœur. Donc viens à mon cœur. Et moi, je trouve ça fabuleux. Je C'est trouve beau ça comme ouais, magnifique. les gens ne savent pas cette langue et tout ça. Et oui, et du coup, moi, la culture berbère, je suis passionnée par cette culture parce que je la trouve belle. Et alors, forcément, on va me dire, bah oui, mais c'est normal, tu la trouves belle, c'est la tienne. Mais non, je la trouve belle parce que je trouve qu'elle a des principes et des valeurs universelles qui sont fabuleuses. Par exemple, Tajmeyt, moi, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire, C'est la Tajmeyt. démocratie, Mais c'est la démocratie. Et c'est une petite république dans la république. Et la force qu'ils ont, Tajmeyt, on parle de tout, tous les problèmes du village sont posés, on vote, on discute. Et les femmes avaient leur voix, Tajmeyt. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, moi aussi, quand même, je suis aussi très active dans le droit des femmes. Et on dit souvent, oui, mais Tajmeyt, il n'y a que les hommes, ce n'est pas normal. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que Tajmeyt, même si les femmes n'y participaient pas physiquement, eh bien, elles avaient quand même un mot à dire. Pourquoi? Parce que lorsque les affaires du village étaient discutées, on ne votait pas tout de suite. C'est-à-dire qu'elles gazaient, ils consultaient les femmes de la maison, généralement la maman et l'épouse, et ensuite, le lendemain, ils revenaient pour voter. Ça veut bien dire que quelque part, ils avaient Mais consulté les femmes. on est tous sous influence des femmes. Moi, même en Algérie, avant d'agir ou de faire quelque chose, y a ma mère qui est derrière qui me dit il faut voir ça, il faut. Eh C'est un peu la mémoire vive, les oui. Et mères. derrière chaque grand homme, il y a une femme. Oui, donc c'est elle qui te dit voilà, tel et tout, c'est elle C'est qui ça. garde la mémoire vive de l'histoire. C'est ça. C'est le ministre de l'Intérieur, en fin de compte, Et dans les Slimane foyers. Azem le chantait très bien. C'est vraiment la pierre maîtresse de tout. C'est un petit peu dans une maison, c'est les fondations, c'est les murs porteurs. Et je trouve aussi, par rapport aux valeurs berbères, autre chose, moi, qui me fascine, c'est cet attachement à la liberté.
par exemple, toujours des sèche-mecs, si quelqu'un devait être, avait fait une grosse bêtise et qu'il devait être emprisonné, on ne l'emprisonnait pas, on l'exilait du village. La prison n'existe pas chez les Berbères, parce qu'on est trop attaché à cette valeur de liberté. Et quand on entend ça, on se dit que c'est exceptionnel. Et, mais c'est vrai que ce que je trouve bien dans cette émission, c'est que ça permet aux gens de découvrir. Par exemple, les gens, moi, j'ai entendu découvrir, mais les gens, par exemple, ne savent pas aussi que le Nord-Mali est berbère, avec Tinariwan, le nord du Niger. Oui, les Tamachèques. Voilà, les Tamachèques, c'est des berbères. Mmh. Et les gens, au Sénégal, une partie en haut, c'est-à-dire que les gens ne savent pas qu'il y a des berbères partout, quoi, que c'est une. Et que le mot mort, normalement, parce que ça s'appelle le café mort, c'est un jeu de mots, mais le mot mort, ça désignait les berbères à l'origine. Mmh. Mais c'est vrai que c'est une grande étendue et Themazirt, c'est quelque chose qui nous réunit tous, au-delà des frontières nationales, au-delà des régions. Et alors, comme tu le disais tout à l'heure, moi, c'est vrai que je suis pour des États fédéraux. Alors, je ne pense pas qu'on soit là pour faire de la politique, non. Mais cela dit, je pense que les États fédéraux ne s'opposent pas les uns les autres. Les États fédéraux travaillent ensemble pour une cause commune qui est nationale, mais on sait qu'au niveau local, comme ici, et ça s'appelle la vie locale, c'est quelque chose que tu connais bien, les préoccupations ne sont pas les mêmes selon les territoires. Et puis en Algérie, je veux dire, ce pays, il est immense. 5 fois la France. Hein. Et oui, il est grand comme un continent. Et on ne peut pas gérer la Kabylie, qui est une zone montagneuse, avec une histoire particulière, de la même façon qu'on va gérer les Targhis qui sont au désert. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes préoccupations au quotidien. Donc la décentralisation, il faut arrêter à chaque fois de parler de division. Ce n'est pas une division. Ici, quand il y a la région Nord-Pas-de-Calais et la région Île-de-France et en bas la région PACA, mais on n'est pas divisé. Je ne me sens pas moi divisé par rapport à un Marseillais. Mais je comprends qu'un Marseillais, il n'a pas les mêmes préoccupations que moi qui vis à Paris. C'est pas pour autant qu'on est divisé. On n'est pas moins français. Aux États-Unis, un New-Yorkais, il se sent pas moins américain. Mais oui. États. En plus, oui. Les États, ils sont. C'est fédéraux, c'est encore plus. Voilà. Mais je veux dire, il se sent pas moins américain, un New-Yorkais, qu'un Californien. Et en Allemagne, c'est la même chose. Ils sont toujours très chauvins, ils adorent leur pays. Mais en tout cas, au niveau local, il y a des politiques, il y a des lois qui sont différentes. Mais pour répondre à ça, quand on voit l'équipe nationale d'Algérie, alors c'est peut-être pas le bon exemple dans la période actuelle, mais quand elle joue, l'équipe nationale, tous les Algériens sont derrière l'équipe nationale, qu'ils soient Kabyles, Chaouis, ils sont tous derrière leur équipe nationale. Hein? Mais je crois que c'est pas un problème finalement, c'est un faux problème, Kabyles, Chaouis, arabophones, parce que de toute façon, toute cette Algérie est berbère. Donc, et comme le disait Gabriel Camp, qui est un historien, en Algérie, il n'y a pas d'arabes. Il y a des berbères arabophones, et des berbères berbérophones. Ce qu'on veut faire croire autrement, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est ça, ce qu'on dit. Et moi, alors il y a aussi après, et après, vous voyez, c'est bien, et après, dans les championnats, il y a effectivement, on s'identifie. Moi, pendant longtemps, je m'identifiais à la JSK, qui portait les couleurs de la Kabylie. Mm-hmm. Après, j'ai le bob parce que je suis de BGA, mais au départ, on s'identifiait à des équipes comme ça. C'était plus par identification existentielle que par opposition. Et donc, on était dans un concurrent, mais on était content de les retrouver à l'équipe nationale. C'est comme ce fameux drapeau, le drapeau amazigh, lorsqu'on le prend, et bien tout de suite, on nous dit « Ah oui, mais il n'y a qu'un seul drapeau, c'est le drapeau algérien ». Et donc, interdiction de sortir le drapeau amazigh. Mais quand je sors le drapeau amazigh, ça ne veut pas dire que je rejette l'autre drapeau. Mais ça veut dire simplement que j'ai envie, à travers ce drapeau, d'imposer et de magnifier mon identité. Mais il y a des drapeaux, vous savez qu'il y a des drapeaux régionaux ici aussi en France. Hein, dans la Constitution, etc., ils ont des drapeaux. Ce qui n'empêche pas l'autre drapeau, hein, d'ailleurs. Moi, j'ai passé mon été en Savoie et j'ai découvert les Savoyards avec leur drapeau qui est posé partout. Dans les institutions, dans les commerces privés, dans les balcons des gens, dans les voitures, et c'est pas pour autant qu'ils se sentent moins français. Et ils ont un drapeau régional, comme les Corses, comme les Bretons, comme tous. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi ce drapeau-là devrait poser problème aux Algériens. Je crois qu'effectivement, c'est bien de dire que d'être un peu comme ça dans le construit, parce que en réalité, de ce dont on parle, c'est du universel. Et à la fin, c'est d'essayer de rassembler tous les peuples des continents. C'est-à-dire que, mais il faut savoir d'où on vient. Il faut se connaître soi. Il faut avoir des racines. Oui. On ne peut pas ne pas avoir un arbre qui n'a pas de racines est un arbre qui ne résiste pas à l'érosion, au temps, à la tempête. Déjà, quand on a des racines, c'est difficile. Mais le problème des Algériens, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire. Mais c'est pas de leur faute s'ils ne connaissent pas cette histoire. C'est parce qu'on leur a pas enseigné. C'est parce qu'on leur a inventé une autre histoire. Il y a un écrivain tchèque qui a écrit. Pour détruire les peuples, on leur enlève la mémoire. Et alors, on détruit leurs livres, on détruit leur histoire,
leur langue et leur culture. Puis, on leur écrit d'autres livres. On leur donne une autre langue. On leur écrit une autre histoire et on leur invente une autre culture. Et doucement, ce peuple est oublié par l'histoire et il est oublié par le monde. Et c'est quelque part ce qui est en train de se passer en Algérie. On écrit une autre histoire. On est en train de détruire une culture. On est en train de détruire une langue. Non, la langue amazigh, la culture amazigh, est là depuis des millénaires. Il faut qu'elle reprenne sa place légitime en Afrique du Nord. Mais c'est une civilisation, comme les Perses, comme d'autres. C'est-à-dire que les Byzantins, on voit par exemple, vous disiez par exemple, moi j'ai été surpris qu'on fasse par exemple de Constantine la capitale de la culture arabe, alors que Constantine c'est Sirta, c'est la capitale berbère par excellence. Mais on se demande à ce moment-là si ce n'est pas une provocation. Oui, parce que c'est la capitale berbère, Sirta. C'est la capitale de Massinissa. Parce que les berbères, il faut savoir que c'est des rois et que chacun avait des territoires. C'est en plus des tribus. Hein, nous, on vient tous de tribus. C'est tribal, d'ailleurs, à l'origine. Et les gens ne le savent pas. Et donc, du coup, on est en train de... Alors qu'on pourrait apaiser. Mais on est face à des aberrations. On est face à... Ça c'est une aberration. Mais d'autres choses, la langue. La langue berbère. Moi, j'ai souvent des amis qui sont arabophones et lorsque je leur dis « ce serait bien de parler kabyle un petit peu. »« Oh non, mais le kabyle, c'est trop dur. Zoul, Aouidamen, Aouidaharom, c'est tout. Sinon, c'est trop dur. » C'est trop dur, ok. Mais il y a des Chinois qui sont arrivés en Algérie. Ah, je les ai vus, ça suis épaté. Ça fait moins d'un an, ils parlent de kabyle. Oui, je les ai vus à Béjaïa. Quand il y a un commerçant chinois qui m'a répondu en kabyle, je me suis dit... Il y a des Maliens qui sont arrivés sur notre territoire. Ils parlent. Ça fait à peu près quelques mois. Et ils maîtrisent parfaitement le kabyle. Oui, mais alors, si ceux-là viennent du Nord-Mali, ils ont déjà les racines, ils sont peut-être prédisposés. Alors, les Chinois, ils n'en ont vraiment pas. Voilà, c'est pour ça que donc, à un moment donné, ça m'interroge, ça. Je me dis, pourquoi est-ce que les arabophones, avec qui nous partageons le territoire depuis 13 siècles, ne parlent toujours pas le berbère, et ces nouveaux arrivants, qui viennent de très loin, eux parlent le berbère. Donc, quelque part, c'est qu'il y a une question de volonté aussi. C'est pas difficile d'apprendre une langue. C'est tout à fait vrai. De toute façon, c'est une question de volonté. Tout est une question de volonté. La question qu'on se pose, c'est que si on veut unifier un peuple, il faut respecter son peuple dans ses diversités. Et je crois que si les Kabyles aujourd'hui doivent apprendre l'arabe parce qu'on leur impose cela à l'école, de l'autre côté, nos compatriotes arabophones doivent apprendre le berbère et c'est une langue qui doit être enseignée à l'école. Et il n'y a que comme ça qu'on unifiera le peuple. Alors là-dessus, je crois qu'on est en train d'avancer, à petits pas, mais ça avance. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est bien dans ce que tu dis, c'est bien parce que tu es en train de nous expliquer que des gens confondent unité et uniformité. L'unité, on peut être dans l'unité et la diversité sans forcément être dans l'uniformité. Les gens confondent ces concepts, non? Mais oui, parce qu'à chaque fois, par exemple, qu'il y a des nouveaux partis politiques, « Oh, mais ça se divise, c'est la division. » Mais non, même ces fameux partis indépendantistes, mais ils ont droit d'exister. Ils ont le droit de parler. Il y en a partout des partis indépendantistes. Il y en a en Espagne, il y en a en Corse, les Basques, les Bretons. Il y a des partis indépendantistes, il y a des courants de pensée. Mais ça s'appelle la démocratie, ça ne veut pas dire qu'on est divisé. Ça veut dire qu'on a des avis divergents sur le devenir d'un pays ou d'une région. Mais on discute, on dialogue, on partage. Ce n'est pas pour autant que l'Algérie est divisée. Je crois qu'il faut arrêter avec le 1-2-3, vive l'Algérie. Et honnêtement, c'est bon que pour les matchs de foot. Ouais. Alors je vais vous dire, c'est ce qui est drôle aussi dans ce que vous dites, parce qu'il faut quand même savoir que les pères de la Révolution avaient fait fi de tout ça. Ils étaient dans leur diversité. Ils étaient, Abd al-Abdan, il est d'Abazir, il est d'Azajour. Et donc ils avaient fait fi de ça pour construire un projet pour l'Algérie. Comment aujourd'hui vous pouvez vous expliquer qu'on n'arrive pas à sortir de ça pour construire un projet? Parce que moi j'étais aux élections en Kabylie, il y a tous les partis qui se présentent. Hein. Ils font des scores. Donc nous, souvent, on alterne entre les FFS et le RCD. Les mairies et les trucs. Mais il y a des mairies qui sont RND, FLN. On a des militants FLN. Il y a cette diversité, elle a toujours existé. Bah, le problème qui se passe, la diversité, elle n'a pas toujours existé, puisqu'il y a eu le printemps berbère, et ensuite il y a eu le parti unique, mais maintenant je parle actuellement. Oui, je comprends, on ne parlait pas du parti unique. Oui, il y a eu le parti unique, mais dans la FLN, là, on le voit bien, même quand on dit l'armée, quand on dit ceci, on voudrait faire des fantasmes aussi. Les berbères sont partout dans l'Algérie. Oui, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes ne croient plus en la politique. Aujourd'hui, on nous donne, d'ailleurs. Mais bien sûr. On ne nous a pas donné le taux de participation sur les dernières élections. Non. On ne sait pas combien de pourcents ont participé, notamment chez les jeunes. Et la jeunesse, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, à coup d'enseigne, on croit qu'on a endormi la jeunesse.
Mais on l'a vu là récemment en Kabylie, il y a des mouvements. Les jeunes sont dans la rue, il y a des manifestations. Ils sont conscients, ils sont bel et bien éveillés et ils sont conscients de leurs droits. Ils sont conscients qu'ils ont le droit de dire non. Et ils sont conscients aussi que souvent, les voix, même VOIX ou autres, que les voix sont emprisonnées par les urnes. Mais elles se libèrent par la rue. Et je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse a envie de prendre son destin en main. Et j'avoue que moi, pendant longtemps, j'ai cru que la jeunesse algérienne était endormie, et notamment la jeunesse kabyle. Et moi, je suis très fière aujourd'hui de cette jeunesse, parce que je vois qu'elle a suivi l'exemple de ses aînés. Mais la jeunesse, c'est l'avenir d'un pays. Hein. Il faut travailler avec sa jeunesse, il faut les écouter. Oui, mais l'Algérie ne mise pas sur sa jeunesse. Non, mais c'est vrai que quand on les écoute, si on n'écoute pas, on n'entend pas sa jeunesse, on court forcément à sa perte. Et moi, je vois bien ce que vous dites, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens revendiquent leur identité, ils ne revendiquent pas plus. Parce que quand on écoute ces jeunes, ils ont besoin de quoi? Ils aspirent à quoi? À bien vivre, à pouvoir avoir leur liberté. Enfin, ils aspirent à la même chose tous, non? Et c'est ce qui s'est passé en 2001. En 2001, on a régionalisé le Printemps Noir. On l'a régionalisé en disant, dans les médias étatiques, oh, c'est un problème de Kabyle, entre Kabyle, c'est encore pour la langue. C'est faux. C'était des revendications nationales. Qu'est-ce qu'ils demandaient, ces jeunes, dans la rue? Certes, l'enseignement de Tamazight et une reconnaissance officielle de cette langue, mais ils demandaient aussi des indemnités pour le chômage. Ils demandaient de l'emploi. Ils demandaient l'abat de la corruption. Ils voulaient faire tomber le pouvoir. C'est ça qu'ils voulaient. Et ces préoccupations-là des jeunes kabyles, mais c'est la préoccupation de tous les jeunes Algériens. Donc pourquoi est-ce que ce fameux flambeau n'est pas passé de wilaya en wilaya? Ça aurait dû soulever à ce moment-là. Mais les Kabyles se sont retrouvés seuls. Ils sont arrivés sur Alger, la fameuse marche du 14 juin 2001. Ils sont arrivés sur Alger, ils se sont fait caillasser. Et là, normalement, le mouvement aurait dû prendre. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'un autre mouvement va arriver. On a vu là, récemment, suite au vote contre la promotion de Tamazight, les Kabyles sont sortis dans la rue. Mais pas que, puisque les frères de Batna, les frères aussi de Sétif sont sortis. Il y a eu quelques manifestations à Alger. Mais je crois que les choses vont bouger. Et si elles bougent, ce sera par la rue. Et donc il faut effectivement aujourd'hui qu'il y ait une reconnaissance si on veut effectivement maintenir cette unité plutôt que de diviser les gens. Oui, mais une vraie reconnaissance. Et pas de la poudre aux yeux. Parce que lorsqu'on officialise Tamazight en 2016, mais qu'en 2017, on vote contre le budget de finances qui doit généraliser l'enseignement de Tamazight et qu'on baisse le budget de Tamazight sur les établissements qui enseignent déjà Tamazight, ça veut dire quoi? Donc il faut généraliser et il faut défendre... Officialiser une langue sans lui donner les moyens. Ça sert à il faut qu'on crée une académie. Voilà. Il faut qu'on forme les enseignants. Il faut qu'il y ait des institutions. Il faut que maintenant tous les fonctionnaires parlent en amazigh. Il faut qu'on ait des documents officiels en amazigh. Sinon, ça veut dire que c'est de la poudre aux yeux, si c'est juste pour dire qu'elle est officielle. Mais après, dans les faits, concrètement, la loi organique, elle passe pas, on l'attend toujours. Donc là, je vois bien que vous êtes militante. Et donc sur la culture, parce que les choses aussi passent par la culture. Oui. Donc vous, votre émission, c'est vraiment de transmission de la culture. Alors, la musique, c'est quelque chose d'universel. Moi, j'écoute Michael Jackson, je comprends rien à ce qu'il raconte. Je suis fan de Rihanna, je comprends rien à ce qu'elle raconte. Mais pourtant, j'adore. Et je crois que la musique, effectivement, c'est quelque chose qui peut faire découvrir notre culture. Alors moi, souvent, on me reproche, lors de l'émission, de parler qu'en français. Pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que le but de l'émission, c'est de promouvoir le Kabyle auprès des autres communautés. Parce que c'est facile, quand on est à la radio, quand on est dans la voiture et qu'on écoute sa radio. Si moi je ne comprends pas ce que l'animateur raconte, qu'est-ce que je fais? Je zappe. Mais moi, mon but, ce n'est pas qu'il zappe, l'auditeur. C'est partager. Mon but, c'est qu'il me comprenne. C'est qu'il comprenne quelles sont mes revendications, qu'il comprenne qu'est-ce que le peuple berbère, et qu'il comprenne que lui-même, il est berbère. C'est ça le but. Ben oui, j'ai eu même une discussion à Berber TV parce que je me disais, mais Akli, c'est une émission, il te parle en kabyle, en tamazight, et toi tu leur réponds en français. Je lui dis, c'est parce que j'ai le souci de la compréhension de tout le monde. J'ai le respect de l'auditeur et de l'auditrice et des gens qui nous regardent. Je veux dire, à un moment donné, moi je suis aussi de la République française, je peux parler, mais le but, c'est pas de me parler à moi-même. C'est-à-dire que, quand je vous entends, il y a beaucoup de gens qui restent entre soi. Osons dire oui à ceux qui sont d'accord avec nous. Mais les gens ne parlent pas à ceux... Le but, c'est de convaincre la plupart des gens. Aujourd'hui, on est soit dans une opposition radicale, soit dans l'entre-soi.
Et c'est pour ça qu'on n'avance pas, parce qu'il y a aussi ce problème-là. Quand on essaie d'accaparer, il y a des gens qui essaient de péremter le mouvement Amazigh ou la Gaïd à des fins particulières ou personnelles. Je crois qu'on ne peut pas péremter un mouvement. On doit justement élargir, faire parler, dialoguer avec les gens. Après, j'entends que la colonne vertébrale d'une culture, c'est sa langue. Si on perd la langue, il ne nous reste effectivement plus grand-chose, si ce n'est les tenues vestimentaires, les plats culinaires et tout ce qu'on sait. Mais la langue reste la colonne vertébrale d'une culture. Et c'est important de parler cette langue qui se transmet maintenant depuis des générations et des générations, des millénaires, puisqu'à l'époque, c'est une langue qui ne s'écrivait pas. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de livres qui sont écrits en tamazight. Mais ce que je crois, c'est qu'il faut laisser les gens s'exprimer comme ils en ont envie. Et il faut arrêter de taper sur chacun et sur l'autre, parce que c'est pas comme ça qu'on va avancer. Ceux qui s'accaparent un mouvement, ceux qui s'accaparent une région, grand bien leur fasse. Oui, non, mais je le dis pas en disant ils ont le droit, moi je suis démocrate, donc, mais je disais que justement c'est peut-être pas le but du jeu, parce que le but du jeu c'est pas de la ghettoiser, c'est au contraire de l'universaliser comme elle a toujours été, c'est une culture universelle. Après, je peux entendre aussi les mouvements indépendantistes. Mais ça, c'est la démocratie. Chacun a le droit de s'exprimer, d'exprimer ses ressentis. Après, il y a effectivement, quel intérêt on défend, quoi. Est-ce qu'on défend l'intérêt général ou pas? Mais je crois qu'il ne faut pas les condamner. C'est-à-dire que tout de suite, c'est la main étrangère, bon ça c'est le classique, hein. C'est la main qui vient de l'étranger, qui vient d'Israël, qui vient du Maroc, pour diviser l'Algérie. Moi, des mouvements indépendantistes, il y en a partout, il y en a au Canada, il y en a partout. Donc il faut les laisser s'exprimer, il faut dialoguer, il faut arrêter de les diaboliser comme ça aussi. Moi, je ne suis pas indépendantiste personnellement, mais je les écoute ces gens-là. C'est nos frères, nos sœurs. Moi non plus, je ne suis pas indépendantiste. Je suis pour l'autonomie. Moi, je suis un décentralisateur. Mais ici en pareil, France, je suis c'est pour de les culture. Autonomies régionales. Non, mais c'est de culture, hein, Sabrina. Mais c'est de culture, ce n'est pas par opportunisme. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi militants par opportunisme. Hein, faut quand même pas... Des affairistes de la culture, il y en a toujours eu. Et je crois qu'il y en aura toujours. Il y en a toujours. Donc vous voyez comme quoi, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer la complexité. Et c'est bien avec vous parce qu'on baille la complexité. Mais en tous les cas, moi je trouve que cette émission que vous faites, elle est essentielle, elle est importante. Et c'est vrai que vous dites, on ne va pas perdre notre langue puisqu'on la parle à la maison, on la parle entre nous, on la parle quand on est. Et d'ailleurs, moi je le vois bien, même ma mère qui a du mal avec le français, quand elle voit des gens qui sont français ou d'autres trucs, elle essaye de se faire comprendre, elle essaye de parler pour que les gens la comprennent. Et ça a été la force aussi de nos mamans. Ils se sont magnifiquement intégrés. Donc, en tous les cas, Sabrina, l'émission touche à sa fin. Si tu as un message à vouloir faire passer, c'est quoi alors ton message que tu voudrais faire passer à ces futures générations de militants, d'engagés de... Je crois que le message à faire passer, c'est la fierté. C'est d'être fier de qui l'on est, fier de ses parents, de ses grands-parents, de son histoire, de ses ancêtres, de sa culture, et la revendiquer, dire qu'on est kabyle. Ça ne veut pas dire qu'on s'oppose à son algérianité. On peut vivre pleinement sa kabylité en étant algérien. Et qu'on soit musulman, ce n'est pas une définition pour son identité. Ça relève des libertés individuelles. Moi, je vis en Kabylie, dans une ville, Wadayen. Il y a une église à 100 mètres de chez moi. J'ai des voisins, ils sont chrétiens. Ils ne sont pas moins algériens pour autant. Leurs parents se sont battus pour l'indépendance. Ils ne sont pas musulmans, et alors? Je crois qu'il faut arrêter ce mélange-là, parce que ça risque de nous causer du tort. Donc arrêter ce discours, on est musulman et algérien avant tout. Être algérien, ce n'est pas forcément être musulman. On peut ne pas être musulman et avoir le droit de respirer l'oxygène de l'Algérie. Alors sur ces mots, en tous les cas, moi je voulais vous dire, moi je trouve que je le dis à la télé, je suis assez fier qu'on ait une représentante comme toi, féministe. Ah oui, je ne sais pas si je suis représentante, mais en tout cas, je suis féministe. Féministe, pour le militant tamazight. Et bravo pour ton émission. Oui, mais alors le féminisme va avec tamazight. Gisèle Halimi le disait dans un de ses derniers ouvrages, elle parlait de Dihia, la Kahina, et elle disait que Dihia a initié le féminisme parce qu'elle ne s'est jamais mariée. Elle avait des concubins et elle a eu des enfants avec ses concubins et elle a dirigé des armées. Des hommes. C'est impensable à l'époque. Donc le féminisme va aussi avec la masérité. Sur ces mots, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Alors nous, on se quitte pour ce soir et on se retrouve avec un nouvel invité, toujours les lundis et vendredis à 20h. Bonsoir et bonne soirée.